thank you Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je m'appelle Dr Noël Tchani Vita, auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je suis 100% Congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents du côté de mon père et de ma mère. La RDC a payé pour mes études primaires, secondaires et aussi universitaires. Je dois tout à mon pays et au peuple congolais. Ma connexion et ma loyauté à la République démocratique du Congo sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. La terre de nos ancêtres elle est sacrée. Je vous invite tous à protéger notre terre, qui est notre patrimoine commun, et à défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale, quelles que soient les conditions et quel que soit le moment. Car cette terre, c'est la seule dont nous sommes propriétaires à 100% et que personne ne doit nous l'arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Je voudrais renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire Créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire et de régulation, et doter le pays d'une monnaie nationale crédible tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie nationale. La finalité du plan Marshall de Noël Chang pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est de développer le pays et aussi d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population actuellement. Le coût total du plan Marshall de Noël Chang pour la réconciliation et le développement de la RDC est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut par habitant de 450 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins en 15 ans, tout en créant au passage des emplois et en améliorant les conditions de vie de tous nos citoyens. Ceci est tout à fait possible, car je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons pas réaliser ce rêve si la RDC arrivait à perdre sa souveraineté. C'est pour cela que nous devons nous battre pour protéger la souveraineté nationale, étant donné que le destin de notre pays se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils que nous sommes. Pour préserver la souveraineté nationale, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de mère et père congolais. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat congolais. Le verrouillage doit aussi couvrir quelques postes de souveraineté nationale qui sont le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général des migrations, connu communément comme étant la DGM, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, connu comme étant l'ANER, les hauts magistrats de la République, le premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances. Beaucoup de compatriotes ont déjà compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies dans notre pays. Ces compatriotes soutiennent ma position de verrouillage. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie naissante, Quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la proposé serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Mais d'autre part, qu'il y a des sujets beaucoup plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle croupit la population congolaise actuellement. C'est pour faire face à ces questions de pauvreté et de misère que j'ai proposé le plan Marshall dont je venais de vous parler tout à l'heure. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions très sensibles est importante. Pourquoi Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté nationale. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Ma proposition ne changerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà congolais actuellement. Je voudrais vous parler d'un article important de la Constitution qui parle de ces questions de nationalité. C'est l'article 10. De la Constitution de la République, qui est très claire au sujet des conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire actuellement la République démocratique du Congo au moment de l'indépendance le 30 juin 1960. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je propose aussi que les révisions prochaines de la Constitution de la République démocratique du Congo permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine, que personne ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais et nous serons enterrés Congolais. La nationalité congolaise, elle est sacrée. Personne ne peut l'arracher à qui que ce soit parmi nous. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Au vu de l'histoire récente, il sera prudent, à mon avis, d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de la République démocratique du Congo et ils sont connus. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par celles de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola, et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC d'abord et plus tard avec la MONUSCO. Ces soldats étrangers se sont accouplés avec les Congolaises et les Congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous Congolais d'après la constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais et ils ont droit à tout dans notre pays. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes Congolais. Ceci éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient de loyauté partagée entre la République démocratique du Congo et d'autres pays étrangers. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, ma proposition de verrouillage porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. et 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel, qui est de limiter l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale la fonction suprême qui est celle de président de la République en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être congolais et surtout d'être dirigé par un congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso et même la Turquie. Et aussi, elles existent dans des grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République, donc des États-Unis d'Amérique. Aux USA, donc, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton et aussi John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright et l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ils ne peuvent prétendre à la fonction de président des, des États-Unis d'Amérique. Pourquoi parce qu'ils ne remplissent pas un des critères d'éligibilité, c'est-à-dire d'être nés sur le sol américain. Et pourtant, ce sont des personnalités très brillantes. Vous connaissez tous Henry Kissinger. C'était l'un des secrétaires d'État américains les plus distingués. Mais il ne peut pas accéder à cette fonction à cause de cette limitation. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle et ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Pourquoi Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, en République démocratique du Congo, on existe du candidat à la présidence de la République démocratique du Congo 30 ans d'âge au moins. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas qu'il y a discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore 30 ans d'âge La réponse est non. C'est un critère qui a été accepté par tout le monde et qui va s'appliquer à tout le monde aussi. Il convient de noter qu'en République démocratique du Congo, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels, prévus par la loi électorale numéro 17-013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi électorale numéro 06, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi est opportune en ce moment précis? La réponse est oui. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement, car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard pour sauver notre pays. Le timing de ma proposition de verrouillage Coïncide aussi avec les réformes proposées par d'autres organisations de la société civile ou même des partis politiques, telles que la CENCO, qui a présenté la feuille de route des réformes qui toucheraient à la CENI, la loi électorale et aussi la Constitution. Il y a aussi les idées de Martin Fayoulou, qui propose une CENI à présidence tournante. Il est donc opportun de recenser toutes les propositions de réformes institutionnelles. Y inclut celle des verrouillages que je porte afin d'opérer les révisions nécessaires à la CENI, la loi électorale et aussi la Constitution une fois pour toutes afin de baliser le terrain pour les élections apaisées en 2023, mais aussi au-delà. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous invite tous à participer à ce débat d'idées, de façon civilisée et patriotique sans insultes ni dénigrements, dans le respect de la dignité de chacun, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition de loi est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risques de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté Serait ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de mères et pères congolais étant les plus nombreux, il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les fonctions essentielles de souveraineté pour que nous puissions protéger ensemble notre fierté d'être congolais, mais également notre souveraineté nationale. Pour terminer, je vous rappelle que tous les Congolais sont égaux. Ils sont les mêmes. Il n'y a pas un seul individu qui soit moins ou plus important que d'autres dans notre pays. Nous sommes des frères et sœurs. Nous devons rester unis et inséparables. Faisons l'essentiel pour protéger notre patrimoine commun, tout en le préservant pour les générations futures. Vive! La République démocratique du Congo, vive le vaillant peuple congolais. Je vous remercie.